Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ma première boîte aux lettres concours. J'ai reçu ma première participation. Alors, je n'ai pas voulu attendre d'en avoir d'autres, j'étais trop excitée pour vous la montrer. Donc, on va ouvrir ça. Enfin, je l'ai ouvert pour pas que ça fasse de bruit et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Ça me vient d'Audrey dans le 59. Alors, ouf, il y a plein de choses. Ah, là, je suis désolée, ça a collé. Ah, ça devait être des petites choses qui sont tombées. Donc, je pense que c'était une petite boîte. Elle s'est un petit peu démontée, merci la poste. Donc, à l'intérieur de cette petite boîte, elle m'a mis plein de petits goodies. Un masking tape. Des grosses paillettes. Hop. Des tags, ah bah ils sont sympas, en plus je les ai pas. Des tags Disney avec deux Mickey vintage, deux autres Mickey vintage et deux Goofy. Et puis ceci, j'ai peur que ça vous fasse de la, non ça va, ça réverbère pas trop. De la, enfin c'est pas de la dentelle, c'est des paillettes, un carré de paillettes en fait. Hop. Alors ici, j'ai ouvert ça en premier parce que c'était déballé. Une petite carte, donc ici on retrouve Goofy pour fermer. Donc je suppose que c'est sa petite carte. Ah, c'est son premier concours. Parce qu'elle débute en scrap. Elle a créé une chaîne qui s'appelle Aude Scrap. Donc je la chercherai puis je vous la mettrai en barre. Et elle voudrait faire un échange avec moi. Bah oui, avec plaisir. Je vais regarder un petit peu quelle est ta spécialité, Audrey. Et puis on verra ça. Dans le 59, donc. Avec une petite carte Mickey toute mimi. Donc on va regarder d'abord tous ces petits goodies et puis après on va regarder sa créa. Elle m'a mis, oh, des jolies choses. Attendez, on va ouvrir. Comme elle est toute seule aujourd'hui, c'est la première, on va en profiter, on va prendre notre temps. Hein. Hop. Alors, un cœur tout découpé en fleurs. Je vais vous le mettre sur fond blanc, voilà. Ensuite, un hello. Un tamponnage petit chat avec des petites étoiles, il est mimi comme tout. Et un petit embellissement qu'elle a fait. Donc elle a découpé un cardstock, elle a mis des choses en 3D dessus. Hop, je remettrai dedans après. Ici, hop, là. Alors, deux papiers, un papier vintage avec des arabesques et un papier Mickey embossé. Et alors, c'est deux petites ATC, elle n'a rien marqué derrière, mais c'est format ATC. Hein. Deux petites ATC, donc un avec le papier Mickey et l'autre avec le papier vintage. Sur la vintage, elle a mis des embellissements métal et du pailleté. Et sur le Mickey, elle a mis des petits embellissements en 3D. Voilà, je vais vous zoomer dessus. Et on regarde donc sa créa. Je la mets vers moi d'abord, je suis désolée, après je vais la tourner vers vous. Donc ça ferme avec une toute petite pince à linge. Et de la twain bleu ciel, enfin avec des rayures bleu ciel. Voilà, je la tourne vers vous. Alors ici on trouve un petit cactus qui est c'est pas vraiment un puffy, c'est, je sais pas, c'est une texture sympa avec un papier pailleté. J'espère que vous le verrez. Alors, oh, c'est une très jolie carte, je pense. Gagné.
Je la tourne vers moi une minute, je la regarde. Ah ouais, c'est une très jolie carte pop-up. Donc elle s'ouvre comme ceci, avec tout un montage, avec des die cuts. Ici on retrouve des succulentes, j'adore les succulentes. Et il y a des succulentes un petit peu partout, un petit mouton. Et là elle a fait un petit montage avec marqué, je ne sais pas si vous allez voir, ici derrière il y a marqué 1000. Je vais essayer de vous zoomer dessus. Donc là il y a 1000, comme 1000 abonnés. Voilà. Bah pour une débutante en scrap, bah c'est pas facile une carte pop-up, je trouve. Donc c'est plutôt sympa. Bah écoute, je te remercie beaucoup Audrey, je suis super contente de ton envoi. Plus tous les petits goodies, c'est vraiment sympa. C'était pas du tout la peine, hein. Une petite créa, ça me suffisait. Mais je te remercie, je vais pas cracher dessus, hein. Je vais m'en servir, t'inquiète pas. Et bah oui, pas de problème, je vais aller voir ta chaîne, je regarde un peu ce que tu fais, et puis je t'enverrai un petit message pour qu'on fasse un échange si tu veux, il n'y a pas de problème. À très bientôt, et puis bah mettez-lui un petit pouce en l'air, et puis allez voir sa chaîne. Allez, au revoir.